Bienvenue dans After. Cette émission aujourd'hui se passe au Grand Sablon. On va découvrir Balthazar. C'est un concept qui a investi un bâtiment historique ici du Sablon et qui accueille des designers, des artistes, des stylistes. On va aller voir ce que ça donne. Bonjour, on est ici chez Balthazar. C'est vrai que c'est tout de suite un immeuble qui attire le regard ici au Sablon, tout récent. Hein, vous avez ouvert il y a combien de temps? Le 15 mai. D'accord. Oui. Et c'est quoi finalement Balthazar? On a envie de savoir, en poussant la porte, où on entre. Ben, en fait, vous êtes dans un nouveau lifestyle concept store au Grand Sablon à Bruxelles. Et tout ça a commencé avec le Covid. On a eu pas mal de gens, créateurs, artistes qui nous disaient on a assez dur pour l'instant, on n'a plus de visibilité. Et donc du coup, les propriétaires ont décidé d'ouvrir leurs portes, d'ouvrir le bâtiment justement pour ces créateurs. Une atmosphère très conviviale, mais quand même assez luxueuse, parce qu'aussi les créateurs qu'on a chez nous, c'est quand même d'un standing. Et donc on a gardé vraiment l'intérieur du bâtiment tel quel. Un petit mot quand même de cet immeuble parce qu'il a une histoire. Hein. Donc en fait le bâtiment a été construit pour la famille Malia en 1920 et c'était une famille industrielle qui était renommée pour les manteaux de fourrure. En bas, à l'entrée, c'était vraiment le showroom où le beau monde venait pour acheter les manteaux. Et ici, les étages, c'était les ateliers où on créait les manteaux. Après la famille Malien, on a eu la poste et le musée de la poste. On a eu la salle de vente de Pierre Berger. Et après ça, il y a la durée qui est venue s'installer ici. Ah, donc on voit encore les dorures au rez-de-chaussée. Et un petit mot, alors justement, des créateurs qu'on peut découvrir ici. On a l'impression qu'il y a vraiment... une grande variété de créateurs, que ce soit dans la mode, dans l'art. Comment vous les sélectionnez, je veux dire? À la base, pour nous, c'est important d'avoir une histoire et une passion. On regarde ce qu'ils représentent. Ça peut être prêt-à-porter, joaillerie, peinture, sculpture. Merci de nous recevoir ici dans ce cabinet de curiosité. C'est design et nature. Vous êtes installé ici chez Balthazar. Alors expliquez-nous un peu la philosophie de ce lieu et de ce que vous voulez créer ici. Alors l'enseigne design et nature, qui est une ancienne parisienne à la base et qui s'est installée à Bruxelles il y a 3 ans maintenant, travaille sur la taxidermie contemporaine avec des taxidermistes vraiment européens, donc principalement belges, français et néerlandais. On travaille avec ces gens-là en lien avec des animaux qui sont décédés. Donc on essaye de se rapprocher du visage le plus éthique possible de la taxidermie. Donc il n'y a pas d'animaux qui sont tués pour ça, bien sûr. Et on essaye de rendre le plus bel hommage pour nous à la nature en la conservant dans ses plus beaux atours. La taxidermie n'a pas vraiment mauvaise presse, c'est le rapport à l'être humain. Et l'animal, entre l'être humain pardon, et l'animal qui a mauvaise presse. On essaye de parler à tout le monde, c'est vraiment notre but. Mais très franchement, dans 99% des cas, on se retrouve avec des gens qui, 10 minutes après notre discussion, ont un très beau regard sur ce qu'on fait. Et ça, c'est important pour nous. On est entouré par plusieurs, corps de métier. Le principal étant la taxidermie, donc taxidermie de mammifères ou d'oiseaux. Donc qui consiste à réhabiller une sculpture de la peau de l'animal. Voilà, on est entouré d'entomologistes qui vont s'occuper donc de papillons, de coléoptères. Ensuite, il y a tout le travail des coraux, alors qu'il n'y a pas vraiment un travail, il n'y a pas à part le nettoyage, pas de travail. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, en tout cas, je travaille avec une collection ancienne
qui a été faite par un Belge. Et ça nous permet de ne pas du tout toucher au récif, même sur des coraux qui sont déjà morts, parce qu'ils sont protégés maintenant, et tout en sachant que le récif doit se construire à partir des coraux morts. Tom, vous me disiez, il y a une histoire à raconter ici, c'est celle de ce kangourou, de ce wallaby. C'est une histoire assez touchante, si je la raconte, je pense qu'il y a maintenant quelques Bruxellois qui la connaissent, que les gens me posent question. C'est un animal qu'on ne connaît pas énormément, le wallaby, qu'on voit souvent dans les parcs animaliers, qui à l'état naturel n'est pas en danger. Cet animal a été fait sur une posture couchée, parce qu'il a lui-même été tué par un autre animal. En fait, il était dans un parc animalier en Belgique, et il a été tué par un mâle émeu, qui est une sorte d'autruche. Et l'émeu, en protégeant ses petits, a attaqué les autres animaux, dont ce wallaby, qui a été très abîmé dans le dos. Et c'est pour ça qu'on a quand même récupéré cette peau et qu'on l'a fait monter en taxidermie. Kevin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes designer, vous avez lancé votre propre marque, Kevin Tizot. C'est de la maroquinerie, des sacs, des chaussures, des portefeuilles. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez démarré cette aventure. Alors, j'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé à dessiner des chaussures et j'ai gardé ça comme passion. Et avec de nombreux voyages, j'ai décidé de réaliser mon rêve qui est de lancer ma marque éponyme et donc de pouvoir apporter un petit morceau d'ailleurs à travers ma collection. Vous travaillez les peaux, les cuirs de poissons. Oui. C'est quelque chose en fait qui est assez courant dans la maroquinerie. Ben, figurez-vous que depuis le 16e siècle, on utilisait déjà les peaux de poissons en fait, pour recouvrir des dagues et des épées ou des couverts. Et c'est au 18e siècle que le célèbre gainier Jean-Claude Galuchat, en découvrant le procédé de tannage, a donné le nom de Galuchat au cuir. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'utiliser ce cuir-là en particulier ? C'est l'irrégularité de la peau en fait. C'est ce côté brut qu'on peut retrouver dans le cuir de poisson. Le fait que ce soit naturel, authentique. Ces peaux de poisson, elles sont récupérées en fait... Voilà, elles sont issues de l'industrie alimentaire. Au lieu d'être jetées, les peaux sont traitées et recyclées et on en fait du cuir. Je dessine toute la collection et puis je me rends en Italie et avec les artisans, on lance la production de chaque article. Vous avez parlé de voyages qui vous ont inspiré. Comment ça ressort dans les sacs qu'on voit ici ou dans les chaussures qu'on peut voir? C'est une collection qui est vivante et chatoyante. Comme ceci, c'est inspiré de là d'où je viens, du Congo. Oui. Et donc, c'est un liboké. Et donc, on a tendance on a l'habitude avec des feuilles de manioc d'emballer de la viande ou du poisson et de le cuire. Et ensuite, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir faire un petit clin d'œil là d'où je viens et de créer un petit accessoire bijou. C'est plus difficile de travailler le cuir de poisson, c'est plus compliqué ? C'est plus compliqué, surtout pour celui-là, le Galuchat, car il présente des perles de silice et donc c'est un savoir-faire que les artisans italiens maîtrisent particulièrement. Et c'est un cuir qui est plus cher aussi ? Oui, celui-ci est connu, on l'utilise beaucoup dans l'ameublement. Et donc c'est un cuir qui a une certaine valeur comparée aux autres. C'est un cuir qui brille et qui a l'air assez précieux. Comme on est au Sablon, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'évolution du quartier de chez Balthazar. On va maintenant aller chez Costermans, un antiquaire installé ici depuis plusieurs générations. Installé dans le quartier, enfin votre famille est ici depuis quoi, 6 générations, c'est ça ? Alors on est dans le quartier du Sablon depuis 6 générations, mais on est arrivé ici en 1950. Mais on a commencé de la rue de Rollebec, c'est la toute petite rue qui était là, ouais. Et on était installé là en 1839, l'année où ils ont ouvert le commerce et l'activité. L'activité de base c'était la décoration et la ferronnerie d'art.
Et puis au fil du temps, il y a eu un collectionneur dans la famille qui a commencé à collectionner énormément de choses, surtout en 18e siècle, français, enfin européen, mais plutôt français. C'était quelqu'un qui était extrêmement érudit, extrêmement instruit et qui a commencé à faire du commerce comme tout collectionneur, à racheter, revendre, etc. Et on a basculé l'activité dans une activité d'antiquité à proprement parler. On fait encore de la ferronnerie d'art, on a encore nos ateliers qui se trouvent chaussée Ninove et ce sont les ateliers d'origine. C'est assez rare, hein, 6 générations dans une activité. Ouais, nous sommes une petite entreprise, hein, on a quelques employés, mais ça devient une enseigne qui est un peu institutionnelle. Alors, un mot avec vous du quartier, du Grand Sablon ici. Vous l'avez sans doute beaucoup déjà connu enfant. Ce quartier, il évolue comment? Est-ce qu'il évolue dans le bon sens pour vous? Alors, on a souvent dit, il y a plus que des chocolatiers, c'est pas vrai. La première activité du quartier, ça reste les antiquaires et les galeries d'art. Il y a plus de 30 à 40 galeries d'art. Alors, elles sont plus sur la place du Grand Sablon parce que les commerces de luxe sont venus s'installer, que les prix des loyers ont augmenté. Et donc, certains antiquaires ont décidé de se mettre un peu plus loin. Ils sont tous rue des Minimes, rue Watteux. Donc, à l'arrière, on peut considérer que c'est encore le quartier du Sablon. Depuis quelques années, on voit l'arrivée de diamantaires, de galeries de bijoux qui se sont installées. On en compte 5 ou 6. Il y a des artisans, il y a un lunetier, il y a un traiteur qui est magnifique. Il y a Huitamer, hein, qui est une institution en pâtisserie, qui est aussi de l'artisanat. Léonidas, comme Nuos, hein, qui sont des gros poids lourds. Mais ça reste un quartier éclectique. C'est un ensemble d'activités qui fait de ce quartier un quartier avec un ADN très particulier, autant local qu'international. C'est pour ça que ça intéresse énormément les gens de venir visiter ce quartier, au-delà du fait que l'architecture est magnifique, c'est qu'il y a cette espèce de magie, hein, autour de ces commerces très différents. Et voilà, c'est ici que cette émission After se termine. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.